Salut YouTube, j'espère que vous aimez la pluie. Parce que avec Isaac, on n'est pas inondé, mais on a quand même beaucoup de pluie. Et je vais faire un petit aspect sur un jeu que l'éditeur vient de m'envoyer. C'est Pocket Trap justement. Et ce jeu, c'est Ninjin God of Carrots. C'était pas ça, c'était Clone of Carrots. Clash of Carrots. Ouais, je crois que c'est ça. C'est un truc à base de carottes et et de lapins. Ah, c'est bien ça, c'est le Clash of Carrots de Ninjin. C'est un jeu qui est sorti. Ben là, il est sorti, je crois, mercredi sur Nintendo Switch. Et il était déjà disponible depuis le 4 septembre sur PS4, Xbox One et PC. C'est un jeu qui peut jouer à deux et qui, il me semble, est un beat'em all. Tout bizarre. Déjà graphiquement, ça utilise bien la résolution de la télé. On est sur du 1080p, ça fait plaisir. Les sprites sont tous en 2D. Le chara-design est bizarre, surtout quand on voit le cochon en bas à gauche. Mais j'aime bien les trucs bizarres, donc forcément ça me parle. Alors, on y est, le village d'Uzagi. L'arbin exécuté à phase 2 pour toutes les carottes que vous trouverez. À vos ordres, à vos ordres, à vos ordres et à vos ordres. Alors. Ils sont en train de voler les carottes, mais qui sont ces gens? Parfait, 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 on les ramène au château. Là, on voit une petite baisse de framerate, mais bon. Oh non, oh non, oh non, toute la récolte cette saison. Le village dépend de ces carottes, quel monstre! Pensez à nos pauvres petits lapins, nous une carotte. Vous devez récupérer nos carottes. J'ose même pas imaginer ce qu'il y aura de notre village sans nos carottes. Et carottes, et carottes, et carottes. Putain, y en a des fois le mot carotte dans cette dessus. Vous souhaite bonne chance. Bon. L'histoire, c'est un vrai prétexte. Hein. Le mec vient, il prend des carottes, il repart, et nous, on part à sa poursuite. Ma vraie question est, comment ça marche? Donc, le scrolling est constant, donc on marche tout le temps. Ok, en fait, c'est un sorte de. C'est plus un sorte de shooter parce que ça crawl tout le temps et le lapin, en fait, c'est comme si c'était un vaisseau spatial en fait. Sauf que, au lieu de tirer, tu donnes des coups d'épée. Le vent est derrière toi. J'aurais me demander si à la base c'est pas un jeu smartphone. Non, visiblement, non, c'est un peu pour ça. Tu te diriges avec le stick gauche, B rué. J'ai raté votre plan de m'empêcher de vous botter les fesses parce que moi je vous botte le cul quand même. Donc en fait t'as la ruée qui permet de te téléporter derrière. Ce qui permet de passer derrière tes ennemis. Wow. D'accord, je vais sous forme de vague, on le voit en bas. Bacu. Bacu le cucu. Alors je crois qu'il est vendu pas très très cher. Air visé, lancer un projectile. Ok, on peut aussi lancer des projectiles. Hein, du coup, en arrière aussi. En fait c'est pratique, les mecs se baladent avec des bombes, tu sais. Plus Y, feinte. Je vois pas trop pourquoi c'est une feinte, mais bon. Ah, feinte, pardon.
N'empêche, vous remarquerez que le jeu est en français, s'il vous plaît. Alors, je sais pas si ce que je vois. Oula! Je sais pas si ce que je vois, c'est des baisses de framerate ou si c'est des. C'est fait exprès en fait. Non. Allez, explose! Ou si c'est des. X. Enfin, vous savez, quand on frappe quelqu'un et que ça arrête le jeu avec le temps. Ah, B plus Y. De toute façon, ça a pas l'air d'être très. Finalement, plutôt qu'un beat'em up, je dirais plus que c'est un shooter. D'ailleurs, tu peux tirer techniquement. Oula. Putain, salaud. Ah, c'était pas si difficile que ça. Les vibrations sont vraiment cool. C'est rigolo, l'écran de finish. Mashup de bouton. Oh, t'es sûr, j'ai l'impression de rater les carottes, quoi. Je suis désolé, je mange un morceau de nectarine. Je kiffe les nectarines. En plus, j'ai dû optimiser le site toute la journée. J'ai une classe S, hein. Comme les anciennes notes d'Otakugame.fr qu'on a plus. Ah mais j'ai Rise of the Tomb Raider, j'ai dû recevoir ma clé. Ma clé. Et ouais, on va regarder plus tard. Il sort demain. Demain on est vendredi. Oui, c'est bien ça, demain on est vendredi. Demain c'est Rise of the Tomb Raider. Merci Amazon de ne pas avoir envoyé ma clé. Du coup, je vais acheter les DLC aussi séparément. Parce que j'avais voulu prendre le Season Pass. Mais je sais pas, Amazon ils ont pas envoyé. J'avais pris l'édition Croft avec 2 jours d'accès anticipé. Et le jeu, il y a 2 jours, ne m'a pas été envoyé. Donc au moins je fais bon voilà quoi, si tu payes plus cher pour avoir le jeu 2 jours en avance, si tu l'as pas 2 jours en avance, quel est l'intérêt? En plus c'est cool cher hein, c'est 100€ quand même. Et une carotte multicolore. On peut pas le tuer. Ah il vole au calme quoi. Je sais pas pourquoi ça vibre autant. Ah mais c'est genre le mec il envoie des trucs au sol, j'ai pas compris. Putain il faut n'importe quoi. J'aime pas mal ce jeu. Vous devez gagner une vie à chaque okay. C'est les fameuses fentes. Vie plus 10. En fait, je sais pas si c'est déjà le boss ou...
Alors en bas, il n'y a pas écrit que t'es la dernière vague, quoi. What? Ah, mais le gars, en fait, c'est un nouvel ennemi, mais il s'énerve quand il est à poil. Oh, pas les à poil mal. À poil. Je crois que c'est le boss. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... C'est quoi ça? Il paraît que c'est des toilettes. Arrêtez de taper dessus. Alors vous êtes ce genre de gros casse-pied. Je suis en train de casser les affaires des autres et de casser l'ambiance. Lui et moi ne faisons que jouer amicalement. Avec en train un petit jeu, ça empeste là-dedans. Silence, de toutes les façons. Ces balles du front ne servent à rien, vous êtes tous virés. Ok. Bon, ça ira mieux sur ces unités. Cette cage. Bizarre qu'en fait, pour être tous aussi nuls, je sais bien que ces fichus singes ne servent à rien. Bon, fini de jouer. En fait, si je me démerde bien, que j'arrive à péter cette cage avant de péter les autres, il va les virer. J'ai l'impression d'avoir tué l'otage. Hein. C'est super what the fuck, hein, on va pas se mentir. Il y a des loot box dedans. Double la durée des combos. Home run dans ta face. Donc je peux donner des coups de batte. Enfin, je peux équiper des battes. Oh, j'ai qu'un petit badge B. Bon, bah voilà, en fait, c'est un shoot them up, beat them all. C'est un mélange de shoot them up et de beat them all. C'est assez spécial, je veux pas dire. Je sais pas. Je m'attendais pas à ça. Il dit que ça va exploser, mais... Qu'est-ce qui va exploser ? Piège. Waouh, ça a vraiment explosé.
La vache, passez-moi, ouais, vous êtes, me veut bien. Je suis corgi, frère des corgis, frère des corgis, j'ai envie de vous rencontrer. Les affaires ne vont pas fort, mais je tiens une boutique. J'ai remarqué un tas de runes où vous vous servez comme épée. J'imagine que je peux vous rendre contre des carottes service. Chez moi, je vais vous faire faire le tour des lieux. Donc maintenant, on va pouvoir acheter de nouvelles épées, ce qui va modifier le gameplay, je suppose. Voyons ça. Où est cette fameuse boutique? Par ici, mon ami. Merci de m'avoir sauvé, j'ai échoué. D'accord, en fait, t'appuies à tout le monde sur Y et tu arrives à la boutique. Ça, c'est des projectiles et ça, c'est les épées. Donc, moi, dans les épées, 1500, mon gars. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir cette tête. Les gars, 950, je vais pas vous mentir. On va essayer de se faire un peu de thunes. Du coup, il me suffit juste de 50 carottes. J'essaie de les prendre dans les vagues. Ah, où est-ce que je vois mes carottes déjà? J'en ai 4. Donc là, il m'en faut juste 50. 11. Eh, c'est l'heure des questions-réponses, vous savez, c'est vraiment bien, vous, comment ça vous ignorez qui je suis? Je voulais dire que, vous savez pas qui je suis, mais c'est pas possible, comment t'as pu oublier le machin? Évidemment, il me connaît, lui. Je suis pas content que je le connaisse pas. Allez, je veux juste mes carottes! Oh, le salaud. Mais attends, c'est un ennemi ou c'est un boss? 17 carottes, allez! On doit avoir un truc qui reflète les machins. Je voulais mourir pour récupérer mes carottes, mais... Allez! 42? Non, mais en plus, je crois qu'il m'en faut un peu plus que 50 en fait. On va prendre un peu plus que 50. Là, j'ai un peu plus que 50. Hop. C'est juste pour être sûr. Trop rigolo. J'espère que ça garde les carottes que t'as récupérées, hein, sinon ce serait connard. Je sens le connard. C'est bon, ça me les a récupérées. Ouais, c'est vrai que je peux avoir le gourdin. Mais où est-ce que je veux? Bah, il est où le magasin? Ah ouais. Des carottes. C'est quoi ça? Ah, on peut augmenter la vie et tout. Et là, c'est les fameux projectiles qui rebondit et tout. Franchement, c'est intéressant comme jeu. Par contre, du coup, je vais m'équiper. Ah, et des carottes. Là, j'ai pas les trucs. Ah, attendez, ça me propose aussi là nouveau. Ah, c'est vrai. Que je pouvais augmenter la durée de mes combos. Allez, c'est parti, on reprend le même niveau. Cette fois-ci, on le finit d'une traite. Go! Ah, en fait, je n'aime pas. Les petites carottes, j'aimais bien parce qu'elle était marrante, mais à part ça. X passé.
C'est quand même bien cette épée carotte. On va pas se mentir. En fait, faudrait que j'esquive quand je me défie. C'est pas easy. Mouang. Le gros canard. Il faut vraiment que je l'élimine le rouge, il est vraiment chiant. Les autres ça va, c'est le rouge là il est... Oh putain! Mort dans le film. Ils sont tous morts. J'ai vu, j'ai gagné une boîte à sushi. Devriez laisser tomber, vous savez. Les gens détestent être écroulés. Nous et Ninja sommes plutôt surpuissants. Nous avons aussi des techniques vraiment, vraiment classe. Vous avez vu? C'est pas génial? Nous sommes les maîtres de l'écran de fumée. Je parie que vous n'avez rien vu venir. Et maintenant, vous allez brûler. Ok, mon gars. Ah, c'est la première fois qu'on s'arrête, c'est ça qui me perturbe. En fait, celui qu'il faut que je frappe là, c'est celui-là, là. Très très couille en plus. Là, c'est une boule de feu. Reste tranquille, mec. À l'écran, ça va ramouiller. C'est étonnant. J'ai pris 300 carottes quand même. On doit augmenter ma vitalité. Et il y a une grosse épée en poids, en bois moyenne. Classe S quand même. J'aurais pas cru avec toutes les boules de feu que je me suis pris dans la gueule, mais bon. Le jeu est relativement clément à ce niveau. Ah, c'est fait. Nous pouvons enfin cesser de nous en faire à propos des habitudes de ce vieux village. Ah, en effet, les précieuses carottes. Votre Altesse, j'ai une mauvaise nouvelle. Oui, tout va se passer exactement comme prévu. Shogun, c'est important. Surtout après avoir pu rassembler une armée et unir le pays. Il n'y a plus qu'à vous assurer que tout est... Papa!
Oh, bonjour fils. Je vois que tu t'amuses toujours avec ton cache-œil. Tu sais que t'as l'air ridicule avec ça sur la figure, n'est-ce pas? C'est pas une question de style, papa. Enfin, passons. Il faut qu'on parle, c'est important. Ah d'accord, qu'est-ce qui ne va pas? On a un très gros problème. Il y a un ninja lapin, enfin un lapin ninja qui casse la figure d'à peu près toute l'armée. Il a l'air vraiment furieux qu'on ait raflé toutes les cartes de son village. Tu me parles d'un lapin? Ah ah ah, n'importe quoi fils. Personne n'a le courage de me résister. Surtout pas de ces cutéreux de ce village. C'est sérieux papa. Même ma dernière invention ne les a pas arrêtés. Et je ne parle pas des larbins que tu m'as confiés, ils sont super nuls. Bon fils, retourne dans ta chambre, laisse les adultes parler. Tu auras d'autres jouets plus tard. Ah, si c'est comme ça, je vais me débrouiller. Ah ah, les enfants. Ah, les enfants. Votre Altesse, le prince est âgé de 17 ans. Mais alors, c'était une moustache? Lol. Ouais, c'est tout marrant comme jeu. Et nous voici retournés au pays. Et on peut continuer notre chemin. Mais nous, on va s'arrêter là. J'ai de quoi acheter des nouveaux équipements. Là, j'ai de quoi équiper de nouveaux équipements. Voilà. Ah non, c'est une nouvelle épée que j'ai gagnée. Mais j'ai dû... Ah, elle a 45 en critique, mais elle a que 5 en puissance. Hein. Alors que celle-là, elle a du 13 en puissance. Hein. Et en nouveau, il a quoi, lui? Grosse épée. Oh, 12, 18. Il avait pas celle-là avant. Si, elle était déjà là, mais elle coûte trop cher. 14. C'est aussi de la vie. Ah, c'est ça qui est nouveau. Un bouclier. Augmente la durée de l'invisibilité après avoir... Ah ouais, d'accord. L'endurance de 15, la vie de 20. Bon, j'ai envie de rien acheter du tout, en fait. Il m'arrête là. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et à bientôt sur ta vidéo préférée. Ciao, ciao!